Vive les puddings Jell-O qui servent à préparer de bons et beaux desserts. Oui, froid ou chaud. Vive les puddings Jell-O, facile et amusant. Vive les desserts Jell-O, veloutés comme la crème. Oh! Faites-vous aussi tous ces délicieux desserts veloutés comme la crème. Pudding et garniture pour tarte Jell-O. Les recettes sont sur les boîtes. Derek Finn présente le nouveau poster de sa collection de clowns. Tout aussi vivant et aussi coloré que le premier, il ne cessera de faire des heureux. Hein? Comment l'obtenir? Avec chaque film développé, Derek Finn vous remet gratuitement ce poster de 20 pouces sur 24. Fuck, un poster non! De clown gratuit avec chaque... J'en veux pas ton esti de poster de clown! Chaque film développé. Fait... Voyons donc! Sa collection de clowns! Faites vite, l'offre se termine le 30 septembre. Ben... Apportez votre film au magasin Derek Film le plus près de chez vous. Un ami vous attend. Tabarnak, non! Excusez, on va juste réécouter ça, là. Mesdames et messieurs, Derek Film présente le nouveau poster de sa collection de clowns. Tout aussi vivant et aussi coloré que le premier, il ne cessera de faire des heureux. Comment l'obtenir? Avec chaque film développé, Derek Film vous remet gratuitement ce poster de 20 pouces sur 24. Un poster de clown gratuit avec chaque film développé. Faites vite, l'offre se termine le 30 septembre. Apportez votre film au magasin Derek Film le plus près de chez vous. Un ami vous attend. J'en avais un dans ma chambre et je dormais mal en clisse. Ben, je comprends, tabarnak, esti, c'est quoi ça? En tout cas, les gars, vous l'avez bien mérité, ce trophée-là. Tu peux dire que tu as l'air pareil? On va te dire que final comme ça, ça se prend bien. Oui, oui, j'ai d'autres choses qui se prend bien pour fêter ça. Oh. Celle qui se prend en douceur. Il y a beaucoup de bec, hein? Puis regarde, il donne un bec, tu sais. Wow, je suis tout chaud. On va tourner au final comme ça. Ça se passe. Regarde. On va tourner au final comme ça. On va tourner au final comme ça. OK. On va le mettre. On peut-tu le mettre au ralenti? Regardez bien. Regardez bien comment il donne un bec, OK? Il fait genre. Oh, tu connais, les gars, vous l'avez bien mérité, ce trophée-là. Tu peux dire que Charlotte. Pareil. Merde. Comme ça, ça se prend bien. Mais oui, j'ai d'autres choses qui se prend bien pour fêter ça. Oh, la bière! Celle qui se prend en douceur. On va boire! C'était cœur, hein? Mon Dieu! On l'a ri. Sauce à spaghetti. J'avoue que la mienne est particulièrement bonne. Parce qu'au départ, j'emploie toujours la sauce ou la pâte de tomate Hunt. Épaisse et riche. Okay, vraiment épaisse, la pâte de tomate. OK, j'essaie de dire épaisse et riche en même temps que lui. La sauce ou la pâte de tomate Hunt. Épaisse et riche. Vraiment épaisse, la pâte de tomate. Voyez. Et riche. Ça, c'est épais. La sauce tomate Hunt aussi. Est épaisse et riche. Regardez. Certaines sauces sont parfois claires et sans consistance, mais Hunt, elle, est épaisse et riche. Faites un chef-d'œuvre de votre prochaine sauce à spaghetti. Commencez-la avec Hunt. Épaisse et riche. Yes!